2017 World Champion, 3 times Paris Grand Slam winner, Hashimoto Soichi. In white judo gi, representing Georgia, the World Champion, Tokyo Olympic Silver, Rio Olympic Bronze, and Lord Olympic Champion, Lasha Shabunatoshvili. Quelle finale! Quelle finale, oh, regardez. Là aussi, hein, là aussi, il y a du niveau. Après les merveilleux moments qu'on a passé avec Benjamin, qui avait battu d'ailleurs le japonais, hein, tableau, on a oublié de le préciser. Place désormais à un autre japonais, Hashimoto Shadatuashvili. Shadatuashvili, champion du monde avec son dossard rouge, et Hashimoto, bien sûr. Très grand champion japonais. Il vient de prendre une petite gifle, là. Bien sûr, bien involontaire, hein, de la part du Géorgien. Et ça montre aussi, hein, tout l'engagement. Deux écoles complètement différentes. Hashimoto, classiquissime. Et le judo géorgien, on va plus venir coller, essayer d'arracher. Hein, ça, c'est sûr. Que c'était bien fait. C'est bien collé en autotogari. Oh, il est en train de lui mettre. Il est en train de lui mettre. Oh là 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 là. Une avalanche d'engagement. Alors que là, elle est, après le maté, ça peut être pénalisable. Hein. Regardez ici. Hein. Là, il y a maté. Hein. Oui, il y a maté. Là, 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 là. Mais c'est clair, il lui a déclaré, entre guillemets, hein, il lui déclare une guerre sportive, bien sûr, dans les règles, hein, mais c'est clair, hein, le message est lancé. Ça va être un combat total dans les règles de l'art, mais avec un engagement à 200%, notamment, regardez, c'est Ochigari à nouveau. Hashimoto piqué au vif, hein, l'orgueil du japonais là qui doit être un petit peu secoué et qui va tenter de remonter face à cet adversaire envahissant. Ah, il envahit à chaque reprise dès que les mains sont posées. Voilà. Bras droit fort derrière. Donc le japonais est un peu plus posé. Avec les nouvelles règles, les athlètes ont tellement peur de la sanction qu'ils passent leur temps à se rhabiller. Ah oui, ça fait il faut partie, être prudent, hein. Il va falloir être prudent. La petite pénalité qui tombe de part et d'autre. Après un début de combat qui est parti à 100 à l'heure, là, ça retombe un petit peu. On arrive à la mi-combat. Hashimoto, pour l'instant, qui n'a pas encore proposé grand-chose. Hein. Non. Qui souffre, hein, avec cette garde atypique, hein, la géorgienne, où on vient chercher le triceps, raccourcir la distance. Benjamin Darbollet le faisait aussi beaucoup. Le français venir comme ça chapeauter les coudes de l'adversaire. Et ça, Hashimoto, c'est pas son style. Il n'aime pas trop. Ah, et voilà, le géorgien qui envahit encore. Une minute trente. Allons-nous repartir en golden score, monsieur? Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, il reste une petite minute trente à vivre sur ce dans combat. Le temps réglementaire. Ouais. Je vois bien quand même Shadatuashvili mettre un petit coup de bassin là, dans la dernière ligne droite. Là. Voilà. Il vous a entendu. Ouais, il ouais, vous ouais, a écouté. On sent que lui, il n'a pas envie du tout que ça aille au golden score. Alors, pénalité, peut-être, en tout cas, arrêt du combat, voilà. Pénalité pour Hashimoto, après cette grosse attaque, hein, de Shadatuashvili qu'on sentait venir. Et le break qui est fait, une minute de la fin, et l'arbitrage, hein, qui est très important, Céline. Là, on récompense, en quelque sorte, l'attitude du Géorgien. Ouais. Tout à fait. Qui est plus incisif, plus engagé. Toujours le premier sur l'attaque. Effectivement, j'ai pas trop vu d'attaque de la part d'Hashimoto. Hashimoto, pour l'instant, excusez-moi, mais Hashimoto a du mal à démarrer. Hein. Allez, ça repart, 40 secondes. Oups, là voici l'attaque de grande amplitude, un peu sans les mains. Mais on a senti vraiment un engagement, en revanche, assez puissant. On sent qu'il y a encore de l'énergie. Encore tout ce travail sur les mains, de part et d'autre.
Pas sûr que c'était un grand balayage. Balayage un peu appuyé. 10 secondes. 10 secondes encore. Et le golden score, Céline, je crois qu'on y va tout droit. Parce que là, ça y est. 2. Ouais. Ça y est, le gong, c'est parti. Et à nouveau un combat qui se sera déroulé jusqu'au bout. Et ça repart de suite, hein, sur ce golden score. Allez, encore une poignée de secondes déjà. Une poignée de secondes dans cette finale. 30 secondes de passé. Ah. Hey, la tentative de Ochigari. Et à nouveau, Céline, Jeanne Tuashvili. Toujours le premier sur l'attaque. Hein. Secondes. Jeanne Tuashvili qui semble le plus incisif, hein, le plus dangereux pour l'instant. Hashimoto qui n'y arrive pas, le japonais. Il trouve pas de solution. Non. Ça peut jaillir, hein, ça peut partir d'un coup, hein, mais pour l'instant c'est vrai. Voilà, à nouveau, regardez Ochigari. Japonais qui répond très timidement. Hashimoto qui fait l'effort là, voilà, pour replacer ses mains. Quel combat de garde. Et comme vous dites, c'est toujours Tuashvili. Tuashvili. Ça s'écrit comme ça. Qui est toujours le plus offensif. Là, si on reste comme ça. Ça va être de part et d'autre. Hein, si on reste comme ça, voilà. À mon avis, c'est ce qui va se passer. Et voilà. Victoire du Géorgien. Et c'est terminé. Voilà. Il l'a étouffé, hein. Il l'a étouffé avec un judo très spectaculaire en début de combat. Puis après, on a canalisé, on a contrôlé pour finalement remporter le combat au jeu des pénalités. Hashimoto, qui a été vraiment bousculé, qui n'a pas pu s'exprimer.